aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il fait beau et pas chaud. Du coup c'est trop cool, on va aller se promener. Stéphanie elle a reçu sa sangle demi-lune. On vous la montrera tout à l'heure et du coup on va l'essayer en GoPro et du coup on vous amène avec nous parce que ça risque d'être drôle. Parce que ça fait très longtemps qu'on n'est pas parti en balade et bah voilà, ça va être drôle quoi. Steph a acheté une sangle demi-lune en attendant que sa nouvelle selle arrive. Parce que bah, la selle, on sait pas les délais, quand elle va arriver, etc. Et qu'on a quand même envie d'aller en balade. Et puis à cru, bah, c'est limité quoi, on peut pas trop faire grand chose. Du coup voilà, elle la revendra sûrement après ou elle la gardera. Non mais j'y crois pas. Je sais pas si vous voyez, il y a Lily qui vient au galop. En fait Clarisse elle est derrière avec le licol. Qu'est-ce qui s'est passé? Doucement Lily. Oh oh. Eh eh eh. Oh. Voilà. La peste. Comme quoi quand elle veut. C'est ça. On a du taf hein. Elles sont pleines de terre. C'est bon. Attends, on va la présenter. Alors, la sangle demi-lune que j'ai reçue. Alors, on a oublié de vous expliquer pendant qu'on filmait, mais en fait, cette sangle anatomique demi-lune, elle évite la compression du sternum. Elle est en forme de croissant pour pouvoir s'adapter aux chevaux qui ont un dos court, donc à un passage de sang qui est avancé par rapport au placement de la selle. Ifi, quand on lui met une sangle normale, elle est placée sur son ventre et pas sur son passage de sang, donc ça pose problème, évidemment. C'est mauvais et c'est super désagréable pour elle. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez aller voir cette vidéo ou cette vidéo. Une 115. 115 cm, ouais. On va voir. L'essai en live, hein. Là. Là, si, si. Attends, elle tombe dans les pommes, c'est que ça va pas. Ah non, j'aime pas, j'aime pas. Tu l'as mis dans le bon sens? Oui. Faut que tu sois sûr. Tu vois, on voit bien qu'elle est. Elle a de la terre dans le toupet encore. Ah mince. Dis donc, elle te brosse bien ta mère. Ah, j'ai bien brossé. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez encore sentir? Si, bien. Non, on mange pas l'appareil. On mange pas de l'appareil. Donc je mets au premier pour être sûr. Et j'ai, en fait, j'ai plus peur de la réaction de Ifi. Bon, on va passer de l'autre côté. Ouais. Hop là. Alors ça va faire. Oh. Oh my god, elle est trop courte, je pense. Mais c'est du combien la tienne? Bah du 115. Et elle a peut-être grossi. Hein. Ouais, tu vas pas avoir le choix. Tu me dis si tu veux que je t'aide. Elle râle pas, hein? Non. La dernière fois, c'est vrai qu'elle râlait. Ah, ah ouais. Quoique. Doucement, Ifi. Hein. Le problème, c'est que. Mais après, si tu ressembles pas, tu laisses comme ça. Je vais serrer, quoi. Parce que je sais que de toute façon, ça ferait. Tu vois ce que je veux dire? Quand je vais monter dessus, qu'on va marcher, je pourrais ressangler, quoi. Putain, il manque rien, quoi. Comment faire? Mais si t'avances un peu ta selle, elle est pas. Si, elle est bien là. Moi, j'ai l'impression qu'elle est hyper reculée.
Non, on mange pas la caméra. Il passe pas? T'es sanglant? Merde. Si. Stéphanie, on galère. En fait, on croirait que du côté là, ça tient nickel. Non. En fait, c'est derrière que ça sangle le plus. Mais là, ça va la gêner pour marcher, non? Tu veux... Attends, on va essayer de la faire marcher. Y'a pas? Ah oui, d'accord. Petite mise à jour, je suis pas sûre que la sangle elle aille bien. Mais on décide quand même de partir avec. Pour voir ce que ça donne. Franchement, tu veux mon avis? J'ai super peur. Ici, je sens qu'elle est à donf. La selle, je sais pas pourquoi je lui fais pas confiance. Eh, doucement ma grosse, hein, parce qu'il faut qu'on attende un peu Lily. Hein. Non, on descend. On descend. Oui. Attention. Ici. Quoique j'arriverai peut-être à remonter sans le caillou. Oh, j'aime pas. Viens voir, approche-toi. Marchez. Oh, oh, oh là, stop. Stop, Ifi. Non, non, c'est pas ça que je te demande. Voilà. Attends, avance. Marchez. Voilà. Là. Oh. Voilà. Elle va me faire un demi-tour. Non, ça va. C'est bien. Ok. Ifi, marchez. Marchez. Oui. Ok, on peut redescendre. Voilà, c'est bien. Hé, Ifi. Elle a mordu le kiki de Lily. Par où on rejoint le pré là? Va doucement. Bonjour. Bonjour. Non, 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 tu les laisses. Ifi, avance. Allez. C'est ça. Allez. C'est là qu'on meurt. Pas de soucis. Tu hurles et je m'arrête. Non. Oui, oui, je sais que tu veux partir. C'est pas toi qui décides. On fait quoi? On monte au-dessus de la petite cabane ou en dessous? En dessous, non? En dessous de la petite cabane? Eh, 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 eh. Marcher. Non. Hé hey. Arrête, hein. Va aller là, tu vois.
Et elle a décidé que non. Lily, non. Donc ça me le fait pas, quoi. Arrête. Voilà. Oh. Voilà. Très bien. Tu trottifies? Tu veux qu'on attende la copine, t'as peur? On attend Lily, ouais. Clarisse est un peu en mode galère, elle est descendue de Lily. Ouais, mais j'aurais tellement voulu le faire. Regardez cette vue qu'on se tape. C'est magnifique, hein? Bah c'est pas grave, ce n'est que partie remise. En mort, hein. Trotter? Oui! Bah, veut, quoi. Bien sûr. Si non, mais... trimballe. C'est clair. Non, mais ce ciel qu'on a là, c'est vraiment un cadeau. Je suis sur mon canasson. Maintenant, on va essayer de pas décéder. Allez. Doucement, hein. T'as le lion, toi. Allez, trotte. On fait pas du guet, nous. On va décéder surtout, nous. Oui, c'est bien. Oh la vache. Allez. Parce que moi, j'ai pas trotté dans le pré. Aïe ma grosse, t'as pas peur toi. Ah, désolé Kiki. T'es bien. J'ai 3 litres d'eau dans chaque chaussure. Le sud gauche c'est le pire. Sud droite ça va mais. Là ça va, c'est ton reflet ma Lily. T'as vu comme t'es belle. T'es bien ma grosse. Là, 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 là. T'es bien. Oui, très très bien. On va monter la petite butte avant le caillou là. Entre le panneau et le caillou. Allez Mali, on fait du cross. Allez. Bien. Non, allez. Oui, très bien. Oui, vous en pouvez plus. Lily, attentionnez madame parce que je vais galoper. Lily, galop. Allez. Allez. Ouais. Encore. Oh. Trotte, trotte, trotte. Oui. Oh putain. Super. Elle est trempée. Ouais. C'est très très bien. On trotte. Tu vois la chaume, mais elle a encore du gaz, hein. Lily. Galop. Galop. Allez.
galop. Ouais. Oh. Oh. Ça va? Attends, j'arrive. Là. C'est bien, ma grosse. Très bien. C'est Steph. Ça va? Reste assise, hein. Reste assise. Ça va le faire. T'inquiète. Attends. Doucement, Mali. On va descendre. Viens. Doucement. Ça va? Ça va? T'as mal nulle part? Oh merde. Putain, tu veux qu'on appelle papa? Non, il vient de te chercher. Attends, faut que juste que je reprenne les lits. Oui, t'inquiète. Ta mère, elle a fait quoi? J'ai pas compris. Je me suis retournée, t'étais par terre quoi. Je lui ai dit galop. En fait, je lui ai dit galop. T'étais sur la route en plus. Non. Et t'es tombée là. Oui. En fait, je t'ai vu par terre et. Attends, faut que je reprenne mes esprits. Ouais, t'inquiète, reste assise, va. En fait, on a l'air de récupérer. Je suis tombée, j'ai essayé de me rattraper sauf que j'ai pas réussi et du coup je suis tombée comme ça sur la tête. Ouais, j'ai vu. Et puis après t'étais accrochée à la reine. Et après je l'ai vu partir la jument. Ouais. Et en fait elle a commencé à faire des sauts. Quand elle est partie au galop, j'ai la Elle a fait des sauts de mouton là. Ouais. J'ai vu et puis après. Et pouf, c'est tombé. Je lui ai dit arrête et tout, tu vois, j'ai tiré ma. Mais non. Puis en plus elle descendait le pré alors là. Oui, bah voilà. Bon, ça va, t'es pas tombée sur la route. Ah oh, purée, j'ai super mal à la tête. Je le savais que j'allais tomber, je sais pas pourquoi. Je vois des étoiles sur le. Ouais, mais reste assise, t'inquiète. Lily, non, tu la manges pas. Ah, mais je suis tombée. Ah, violent. Faut la chercher. Tu veux que j'y aille sinon? Bon, tout va bien. Je fais un petit update. Lily mange, et Stéphanie est partie chercher les filles. Bon, vous voyez juste des petites taches noires, mais elle est partie. Et je pense qu'elle a cassé sa reine. Parce qu'elle a plus qu'une reine sur la tête. En tout cas, moi, je suis très contente parce que Lily a été la plus sage du monde. Quand elle est tombée, Steph, elle a... Enfin, allez, ma Lily. Allez, c'est bien. Oui, on va chercher Steph, c'est bien. On va remonter ma Lily, là. T'en vas pas. Attends, on va montrer la grande blessée. La peste. Bien. Voilà. Oh. C'est exprès, elle m'énerve. Oh. Voilà, super. Oh, on peut y aller. On peut y aller, madame. C'est très bien. Allez, ma loulouille. Doucement. Oh, super. La Steph est partie comme une folle. Tu veux trotter un coup? Oui, bah doucement quand même. Là, je t'en compte, toi, pour qu'il soit fou. Pas du tout. Elle souffle, mais elle trotte. Oh! Voilà. Ça, c'est un cheval qui est cool. C'est très bien. Tranquille. Là, elle a vu quelque chose qui l'intéressait. C'est les ânes. Non, tu trottes pas, tu marches. Très bien. Allez. Allez. Doucement. Du coup, après la balade, en fait, la sangle de Minune, vraiment, moi, je vois pas de changement, hein, parce que elle s'est toujours sur le ventre et on voit que ça fait toujours la marque. Si, il y a peut-être le devant, au niveau du passage de sangle, elle doit être maintenue. Après, là, c'est normal, puisque t'as toujours les mêmes passants. Ouais, c'est vrai. Filme ma Lily qui fait tout péter.
Elle fait tomber les piquets, m'a dit. Et elle marche aussi. Bon, ça change peut-être quelque chose entre les antérieures. Entre les antérieures, elle doit être peut-être mieux maintenue, quoi. Au revoir, ma Lily. Elle s'enfonce dans le brouillard. Mais c'est bizarre parce que le ciel est bleu. En fait, on s'est fait envahir par le brouillard. Donc voilà, on est revenu au pré. Tout le monde est revenu au pré. Ils auront du foin ce soir, ils vont rester dehors. Parce que du coup, oui, vous le savez pas, vous, sur YouTube, qu'ils sont rentrés depuis lundi soir. On les a rentrés lundi soir, tard dans la nuit. Et du coup, bah, ils sortent un peu la journée quand il fait beau. Et puis après... ils rentrent la nuit et puis quand il fait vraiment pas beau, ils restent à l'intérieur. Et c'est pour ça que les juments sont folles. Voilà. Pour la chute, vous devez rien comprendre parce que la GoPro, on voit pas grand chose en fait. Parce que vu que c'est moi qui... Du coup en fait, je suis partie au trot, j'ai galopé. Donc lui est parti au galop, nickel. Ensuite, bah, Steph m'a suivi donc au trot. Elle s'est mise sur le bord de la route comme là en fait. Sauf que c'est de la terre, c'est de l'herbe, c'est pas du caillou. Et du coup, elle s'est mise au galop. Et Ify a décidé de faire du rodéo. Donc coup de cul, coup d'eau, etc. Et en fait, du coup, moi sur la GoPro, je sais pas si vous verrez, je me suis retournée, j'ai vu Steph les mains en l'air comme ça. Genre, arrête Ify de te mettre comme ça parce que je vais me péter la gueule. Et après, je me suis retournée. Et c'est à ce moment-là que Lily s'est arrêtée. Et elle a, je sais pas trop ce qu'elle a foutu parce que j'étais un peu perturbée totale. Du coup, elle s'est arrêtée, j'ai sauté. Et en fait, pendant ce temps, Ify, elle, comme là en fait, elle est descendue le talus et en faisant du rodéo. Et du coup, Steph, elle est tombée sur le côté, elle a tenu la reine. Moi, j'ai vu qu'elle tenait la reine et j'ai failli crier « lâche tout !» Mais elle a finalement tout lâché, donc c'était bon. Du coup, Ify, bah, je sais pas si vous la verrez sur la GoPro, pareil, elle a galopé tout au... Enfin, tout au bout au loin, près, quoi, au loin. Et du coup, bah, Steph est restée assise, évidemment, parce que bon, voilà. Je suis tombée sur la tête, en fait. En plus, elle est tombée sur la tête. De toute façon, c'est mieux de rester assise. On aurait pris le temps, si elle voulait pas se relever, on aurait pris le temps. Puis on aurait même appelé papa pour qu'il vienne nous chercher ou quoi. Ça aurait pas posé de problème, je serais remontée avec les juments. Bah, du coup, Sévanier a pris ses esprits. Donc pendant ce temps, moi j'étais dans le pré, je tenais très fort Lily pour pas qu'elle se barre avec Ify. Et du coup, Stéphanie s'est relevée et elle a été chercher Ify. Après, Ify elle est repartie au galop ou je sais pas trop quoi. Mais elle est repartie au trot quand je suis remontée dessus. Voilà, et du coup, elle a fait que le bordel. Et du coup, Stéphanie elle a fait toute cette montée au trot. Et bah, du coup, moi j'ai suivi, mais Lily elle faisait un peu comme elle veut, elle marchait, elle trottait. Enfin voilà, je préfère faire comme ça parce que là ça monte vraiment fort fort. On se rend pas compte sur la caméra, mais ouais, ça monte de ouais, ouf on en fait. Se rend pas compte. Ouais. Du coup, bah, tout le monde est bien rentré vivant. Stéphanie a très mal à la tête et je pense que demain elle aura beaucoup de courbatures. Du coup, je vous ai pas expliqué, mais juste avant, en fait, on a descendu la route. Bah, ça vous voyez sur la GoPro de Steph. Du coup, c'était Steph qui avait. On descend la route et après on coupe un pré pour rallonger la balade parce que sinon on faisait 2 km et c'était râpé en 2 minutes. Du coup, on a ragrandi la balade et en fait, à un moment donné, ça descend un petit talus et c'est tout humide. Mais c'était pas trop violent, il y avait pas ça de bouillasse non plus. Et du coup, Ify a pas voulu descendre. Et du coup, bah, Stéphanie s'est battue, etc. Et elle a réussi finalement à descendre. Sauf que moi, vu que j'étais en sang mort, je me suis battue comme une folle. J'ai de la corne là d'ailleurs sur les mains. Tellement que ça a tiré sur les rênes. En plus, elles sont toutes fines, elles font trop mal. Et du coup, pareil, Lily, elle voulait pas descendre le talus. Et du coup, elle montait. Puis d'un coup, en fait, elle a mangé comme ça. Et moi, je voulais descendre, donc je me suis penchée en avant. Et en plus, elle a mangé. Du coup, j'ai volé. Bon, après, j'ai rattrapé sur mes pieds. Je l'ai engueulée parce qu'elle a pas fait ça, même si on est sans mort ou même si c'est humide, etc. Enfin bref, voilà. Du coup, je suis descendue. J'ai fait tout le pré à pied. Donc ça, pareil, vous voyez pas parce que Steph, elle trotte tout le long. Je trottais, ouais. En fait, elle ouais. trottait comme ça et moi, j'étais comme ça. J'ai rejoint comme ça et on s'est rejoint là. Après on est remonté, j'ai trotté. Bref voilà, par cette petite incompréhension, Lily a été très sage. Mais Ify un petit peu garce du coup pour la fin quoi. Pour la sangle, Stéphanie a dit que ça changeait pas grand chose. Après ce sera pas pour longtemps je pense. Et puis vu qu'on va arriver en hiver, on va faire de moins en moins de balades. Et puis ça a pas l'air de la gêner hein, comme vous savez quoi. Et tu vas la garder. Oui, en fait je pense que entre ses antérieures ça revient quand même vachement devant. Et bah du coup comme Steph vient de dire, je pense que... au milieu des antérieurs, ça revient devant et c'est sûrement plus agréable pour Ify. Donc, vaut mieux la soulager un max avant qu'elle ait sa nouvelle selle. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!